Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour un nouvel épisode autour d'Elite où on va reparler de la bêta 1.3 dite Powerplay. Alors ça va être une vidéo j'espère un tout petit peu plus claire que celle que j'ai pu vous offrir à chaud l'autre jour, le lendemain de la sortie de la bêta. J'ai eu l'occasion d'un tout petit peu plus approfondir le sujet, alors pas à fond, tout n'est pas encore extrêmement clair. Mais j'ai un peu mieux compris les relations entre les différents éléments, les missions qu'on pouvait faire, comment on pouvait progresser au sein d'une puissance à laquelle on a prêté allégeance. Alors, une petite chose avant de commencer, j'en profite pour essayer des choses que je ne suis pas prêt d'essayer bientôt. Là, vous voyez, j'ai pris un Python que j'ai pu fitter, pas full A, mais pas mal. Pas mal. Il a 3 rayons laser avec 2 multicanons. C'est des classes 3 et 2, ce ferreur. Et puis j'ai pu acheter enfin des bons boucliers. Alors je suis pas extrêmement bon, j'ai l'impression que je suis meilleur avec le Vulture pour descendre un autre Python ou Anaconda qu'avec un Python pas trop mal fitté. Alors si vous avez des conseils à me donner pour combattre avec ces gros vaisseaux, le problème c'est que je me fais toujours défoncer par plusieurs personnes à la fois. Enfin bref. Je voulais juste faire, ah bah oui, une petite dédicace, hein, le Python Shannon, hein, on se souvient tous. D'ailleurs, je te laisse apprécier ce petit souvenir que j'ai gardé là depuis un moment. J'espère que ça te plaira. À tout de suite. Je peux pas la racheter. Oh putain! Il s'est passé quoi? Shannon Il vient de a me faire tiré sur buter. Alpha. Ah, Ouais. c'est Alpha? Attends, 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 non mais attends. Ouais, c'est Alpha, c'est Alpha. Attends, on va dans mes cibles, lui là. Alpha X3, et il y en a un autre qui lui a tiré dessus aussi, je sais pas c'est qui. Ouais, LG, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est la station qui m'a buté, c'est sérieux. Ouais, c'est la station sur. Commandant D2 TZ, c'est ça l'autre. Qui a frappé. Ah, quelle bande de pute. Du coup, Shannon, il s'est fait exploser. Ah, Ouais. ouais. Alors, Mais non. du coup, tu peux jouer quand même Shannon ou pas, à ton avis? Pense à Dwinda. Ouais, mais est-ce que. Voilà, je suis désolé, c'était un truc que je voulais faire. J'ai retrouvé cette vidéo, Shannon, hein, avec la Dim Family. Que de bons souvenirs sur le moment là. Maintenant, on peut en rire, j'espère. Et puis, j'espère qu'on va bientôt pouvoir voler ensemble. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis la bêta, ça évolue, tout évolue. Et actuellement, la faction de Zachary Hudson qui prête allégeance lui-même aux fédérations, parce que si vous voulez finalement, il y a les factions mineures et les factions majeures étant celles de l'Empire, de la Fédération et puis de l'Alliance. Et puis vous avez des petites factions mineures qui sont indépendantes. Finalement, les puissances, elles se placent hiérarchiquement entre ces deux pôles. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, Zachary Hudson ne pourrait pas s'en prendre à un autre membre de la Fédération en tant que tel. Comme il est écrit dans le manuel, finalement, tout le monde est un peu seul dans ce jeu. Donc, Zachary Hudson, qui est la puissance qui a le plus de succès, d'après ce que j'ai pu lire sur les forums, ceci s'explique probablement par leur doctrine d'expansion qui est essentiellement axée sur le combat, comme vous pouvez le voir ici. C'est là où il y a le plus grand nombre de joueurs qui se sont inscrits. Et actuellement, un petit peu en difficulté, parce que là, vous voyez que les PC, les points de contrôle, qui représentent une combinaison du poids militaire, social, culturel, tout ce que vous voulez, qui est drainé par tous les systèmes que la puissance contrôle, ce total-là permet de s'expandre au niveau des nouveaux systèmes. Le truc, c'est que là, l'entretien, ou les points de contrôle dépensés pour administrer les systèmes, sont supérieurs. Donc, il y a un déficit. Actuellement, il y a des troubles. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau que j'avais pas vu la dernière fois parce que c'est effectivement en expansion perpétuelle. Eh bien, on voit que des systèmes sont menacés. Quand un système est menacé, son entretien devient de plus en plus grand. Et à la fin de chaque cycle, un cycle dure 2 jours en temps réel pendant la bêta, et puis ce sera probablement une semaine, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, quand la mise à jour sera implémentée pour tout le monde. Au terme de ce délai-là, eh ben, si les coûts d'entretien sont supérieurs à ceux qui rapportent, eh ben, le système tombe et n'est plus sous notre contrôle. Alors il y a différents stades, hein. Il y a les troubles, et puis ensuite il y a les révoltes. Et ces systèmes peuvent être menacés ou être mis en trouble par les puissances adverses. Donc,
Théoriquement, moi j'ai pas encore regardé, on pourra peut-être le faire vite tout à l'heure. Si on va dans un système qui est contrôlé par une puissance adverse, eh ben, il y a théoriquement des missions qui se sont disponibles pour essayer de les mettre en trouble et puis de leur faire perdre de l'influence dans les systèmes qu'ils contrôlent. Donc les systèmes qui sont menacés, on peut les visualiser de différentes manières, comme ici là, ou alors directement sur la carte. Donc moi je me retrouve ici sur LTT 377. Je vois que là il y a une petite cible, ce qui signifie qu'il est en trouble. Donc ça c'est tous des systèmes que je contrôle, ou que je contrôlais, je sais pas. Enfin oui, ils sont contrôlés actuellement, mais ils sont en trouble. Donc si la situation n'est pas rétablie rapidement, on va les perdre. Donc il y en a pas mal hein, avec des cibles actuellement. Donc je peux aller directement dans mon système voir ce qui se passe. On va accélérer. Donc là, il y a les sites d'extraction de ressources fortes et basse intensité. Maintenant, dans les fortes, il paraît qu'il y a beaucoup de pirates. Et j'essaye de voir si il y a un endroit où il y a une mission ou quoi que ce soit à défendre. Parce que là, autour de The Linkport. Bah, écoutez, on va faire un saut vers l'étoile et voir ce qui se passe dans le système. Charging. Ready to engage. Oui, j'accélère. Ah, mais je suis en marche arrière. J'oublie tout le temps que quand je me mets en vue extérieure, je me mets en marche arrière pour la caméra. Et quand je reviens dans le cockpit, bah ben voilà. Voilà ce qui arrive. 4, 3, 2, 1, engage. Donc pour la petite vidéo flashback que je vous ai mis tout à l'heure, c'était avant un enregistrement avec Dim, il y a quoi, 2 mois en arrière. Et Shannon est arrivé avec son tout nouveau Python. Et il a commencé à s'embrouiller avec 2-3 mecs qui traînaient vers la porte de la station, et puis il y a un malheureux coup de laser qui est parti, et il a été tout de suite une prime de criminel, et il s'est fait défoncer la gueule avec son nouveau Python, sans avoir l'assurance pour leur payer devant la station comme ça. Attendez voir, c'est quoi ce petit message? Ah, votre puissance a besoin de vous. Ouais, je veux bien, mais je fais quoi de ça? Ouais, Zachary Hudson n'a pas assez de PC pour administrer ses systèmes. La semaine dernière, il lui en manquait 1566. Bah ouais. Moi, je veux bien, justement. J'aimerais trouver quelque chose à faire. Là, je vois pas grand-chose qui pourrait faire renverser la vapeur. Bah écoutez, ce que je vous propose, je vais regarder si je trouve une zone de combat ou assimilée. Military Strike, c'était écrit la dernière fois. Et puis, je vous reprends à ce moment-là pour voir ce qui se passe. A tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant sur Anne Gateway, qui est un des deux spatioports de notre quartier général qui se trouve sur le système de Nanomam. Et là, ce qu'on peut voir ici au niveau du powerplay, dans les contacts, c'est toujours signalé par une étoile. Donc, le contact au sein de la puissance, ici, nous propose, comme on est sur. Le quartier général de récupérer du ravitaillement de garnison qu'il faudra amener sur les systèmes qui doivent être fortifiés, qui sont menacés. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, comme pour les informations confidentielles, on peut charger ça jusqu'à 10. Et puis, Fast Track Next Quota, donc on peut prendre un quota supplémentaire de 10 cargaisons supplémentaires. Voilà. Mais écoutez. Comme ça, comme on est dans la bêta, on va se faire plaisir, on va en prendre un max. J'ai un tout petit peu agrandi la soute du Python pour ce faire. Alors c'est un petit peu chiant. Je vous le cache pas. Alors, je me posais une question. Quand on augmente dans les rangs, on peut augmenter. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sera plus simple parce que je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Donc, actualité. On rentre dans notre allégeance, voilà, dans les rangs. Vous voyez ici qu'au rang 1, on a 10 allocations de marchandises liées aux luttes d'influence galactique toutes les heures. Donc je pense que ces 10 de limite, c'est ces 10 de cargaison pour les renseignements confidentiels ou le ravitaillement de garnison. Dès qu'on passe au rang 2, on passe à 15 allocations, 20 au rang 3, puis 25, puis 50, ce qui est pas mal, 50. Donc, à mon avis, c'est ça qu'on gagne en plus quand on débloque des rangs.
Et l'autre chose, les désignations pour les subversions, en fait, c'est pour les préparations. En français, là, actuellement, on n'a pas accès parce que c'est en trouble. C'est pour donc voter pour des systèmes qu'on veut préparer en vue d'une expansion, puis d'un contrôle. C'est toujours ces trois étapes qu'il faut respecter, visiblement, pour que la puissance puisse étendre son influence sur les différents systèmes qui l'entourent. Et puis, donc, en faisant ces missions-là, bah, c'est un pour un, hein, j'ai l'impression. Si j'amène 100 cargaisons, bah, ça va me faire 100 points. Ou 100 renseignements confidentiels, 100 points. En tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir constater rapidement. Donc, on va continuer de prendre un max. Donc, il me reste encore 50. Mais vous voyez quand même, d'en acheter, j'en ai acheté 90, bah, ça fait quasiment 1 million, hein, tout bêtement. C'est quand même pas donné. Excusez-moi. Alors, les autres avantages qu'on a à grader au sein de la puissance, notamment c'est pour avoir des meilleures primes. Et puis aussi des rabais sur du matériel qu'on pourrait acheter, d'après ce que j'ai lu. Alors ça, j'ai pas eu l'occasion encore de le tester. Et voilà, on est arrivé à 100, on confirme. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, où est-ce que je peux accéder? Bah, le plus simple, encore une fois, c'est d'aller sous actualité. Et puis on va voir où il y a des systèmes contrôlés qui sont menacés les plus proches. Oui, Exburg, 28 années-lumière. Quator, 121 années-lumière. Epsilon Scorpii, 83. Ouais, c'est loin tout ça. C'est très loin. Alors le plus proche, c'est Exburg. Donc là, on voit qu'au niveau ravitaillement et puis déstabilisation, là, c'est menacé, mais ça va en notre faveur. La fortification se produira à moins que le total des puissances opposantes dépasse. Donc, comme je vous le disais, enfin, je sais plus ce que j'ai dit ou pas dit, parce que j'ai fait plusieurs vidéos qui étaient plus ou moins ratées, donc que j'ai finalement pas publiées. On peut si faire des missions dans les autres systèmes pour déstabiliser les autres puissances. Alors j'ai pas encore essayé, il faudra tester ça gentiment. Alors on va voir sur la carte où ça se trouve. Expert, voilà. J'aimerais m'y rendre. Moi je suis là-bas, Naonam. Ah, je peux pas m'y rendre. Ah, c'est parce que j'ai trop de cargaison si ça se trouve. Normalement, il devrait pouvoir avoir un train. Ah voilà, je suis complètement en train de délirer. Non, je suis un nanoman. Ouais, mais c'est vrai que je peux pas y accéder ou quoi? Et jusqu'ici, je peux. Bon, on va déjà aller jusque-là parce que normalement, ce système-là, je sais pas pourquoi je le vois pas maintenant. Peut-être parce que oui, j'ai mis juste l'affichage. Si je fais Exburg comme ça. Je vais peut-être devoir larguer de la cargaison. Bon, on va se rapprocher, on va voir. Vous savez quoi? Pour pas vous saouler avec ces petits trajets, on va faire une nouvelle petite ellipse et puis dès qu'on arrive à Exburg, on regarde tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, on se reprend maintenant. Alors, pas sur le système d'Exburg, parce que finalement, il fallait un permis pour y accéder. Donc, c'était la raison pour laquelle j'arrivais pas à mettre à aller sauter dans le système. Enfin bref, là je suis maintenant sur LHS 142, là où j'étais je crois au début finalement. Et puis je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de zone de combat ici. Donc finalement je pense qu'il faudra que je livre sur une station du ravitaillement directement depuis mon QG pour gagner des points. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller bah, sur Vodok, c'est juste à côté. Voilà. Au passage, joli petit système double. Hein. Là, je suis arrivé pile sur cette étoile maintenant, et puis j'avais pas vu qu'il y en a une deuxième à côté. Alors, Vodok, c'est vraiment la porte à côté. Et puis, tout ça devrait me permettre de gagner, bah, théoriquement, 90 points de mérite. J'ai largué de la cargaison comme un imbécile en croyant que j'avais pas assez de portée de saut. J'en ai largué 10 pour voir. Évidemment, ça n'a rien changé. Je pouvais pas sauter sur Exburg. Bah voilà, parce que j'avais pas le permis. Alors, j'ai balancé dans l'espace 100 000 crédits. C'est la bêta. On s'en fout. Tout sera remis à zéro. Alors, on va vite se docker à Vodok. Toujours la petite distance de 6 secondes qui est
paraît-il la plus optimisée pour une approche en douceur, dans n'importe quel point de sortie d'ailleurs d'un saut. Voilà, je peux accélérer, je suis en dessous de 1000 km/s. Enfin, tout ça, vous le savez probablement déjà. Alors, ça, au moins, avec ce type de station-là, on se fait pas chier pour trouver l'entrée. Quoique finalement, maintenant, avec l'habitude, et puis les petites flèches, c'est pas trop dur d'arriver sur les stations sphériques, on va dire. J'ai demandé l'autorisation. Ça m'arrive encore assez souvent de rentrer dans les stations sans avoir demandé l'autorisation. En général, on a le temps de ressortir sans problème. Je me permets de booster avec le piton, même si je suis assez proche. Parce qu'il y a une belle inertie, hein, ce truc. Sacrément belle inertie. Mais d'ailleurs, j'ai... Oh, c'est pas possible, mais je vous jure, les gars. Bon, écoutez, je refais une petite pause, je me reconnecte. Hein, ça, c'est les plaisirs de la bêta. Allez. Alors voilà, on est de retour après une petite déconnexion serveur. Vous remarquez que ça m'a fait sauter mes boucliers. Bon, heureusement, on n'est pas en zone de combat, ça porte pas à conséquence. Mais voilà, j'ai eu plusieurs déconnexions. Je pense que ça c'est dû à un serveur bêta qui me semble être différent de, évidemment, enfin qui est différent du jeu normal disponible pour tous et puis qui n'est pas d'une stabilité exceptionnelle. Alors on va refaire la demande. Hein, on en parlait tout à l'heure, j'ai failli oublier. Docking request granted. Donc normalement, là je devrais pouvoir participer significativement à la stabilisation du système. Et un système qui se stabilise, il coûte moins cher à l'entretien et donc il offre plus de bénéfices. Plus de bénéfices, ça permet de s'expandre plus. Enfin de... Oula, attention. J'ai un gros vaisseau maintenant. J'ai même pas vu. 15, c'est où? 15. C'est là-bas au fond. Etc, etc. Puis le fait de pouvoir contrôler des systèmes, ça permet aussi aux dirigeants de la puissance... De par exemple interdire tous les marchés noirs, d'augmenter les primes contre certains criminels, etc. Il y a visiblement d'autres options qui seront accessibles, mais je ne sais pas si ça sera pour les joueurs. Ou s'il y aura des moyens d'influencer ce genre de décision. Notamment par rapport au commerce aussi. Alors, les services du spatioport. J'ai pas oublié de faire le plein parce que j'étais quasiment vide. Donc, dans mes contacts, au sein de la puissance, voilà. Donc là, on voit que la progression de la déstabilisation, elle est à 870, hein. 795 pour nous. Je ne sais pas si mes 90 là vont faire basculer le truc. Ah, on serait... Ah ouais? Je ne sais pas si c'est 1 pour 1, on va voir ça tout de suite. Eh bah oui. C'est quand même cool ça, non? Il me semble bien. Bah vous voyez, juste avec ce petit trajet à 1 million, bah j'ai fait basculer à moi tout seul, comme un grand, peut-être l'avenir de la fortification de ce système. Donc si on se met à plusieurs, ça peut vraiment faire des trucs assez excellents. Hein. Donc, est-ce que ça se répercute immédiatement au niveau de mes points de mérite ou je sais plus comment ils les ont traduits? Alors, dans mon rang... Non, pas encore. Je pense qu'il faudrait que je me connecte-déconnecte pour ça. Ou que je saute sur un autre système. Bon, bah ça, c'est assez cool. Enfin, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut aller vite voir maintenant encore? Là, il y a de l'expansion à 54 années-lumière. Ouais, là, on devrait choper ce système-là. Ouais. Écoutez, à la limite, c'est uniquement du combat. Ce que je voulais vous repréciser, finalement, je vous l'ai dit, par rapport à comment on interagissait avec les puissances, comment gagner des points, les avantages que ça pouvait nous donner. Et puis là, bah, je me rends compte que
on peut vraiment faire basculer les choses et que c'est du 1 pour 1 au niveau des points et de comment ça progresse. Donc se mettre à une wing à 3 ou 4, mais voilà, mais ça coûte quand même de l'argent, hein. Là ça m'aurait coûté pas loin d'un million de crédits. Donc c'est pas rien à mettre en balance avec les avantages qu'on peut avoir ici au niveau de du gradé dans la puissance, enfin des grades qu'on peut obtenir dans la puissance. Je sais pas quelle est la relation notamment entre le grade qu'on peut avoir au sein de la fédération, je suis premier maître, et puis ce rating, ce niveau qu'on peut avoir au sein des puissances, si ça se complémente ou si c'est complètement indépendant. Enfin bref, moi je trouve que cette mise à jour est assez stimulante, ça renforce l'envie de jouer à plusieurs, et puis bah, j'attends avec impatience l'occasion de pouvoir rejouer avec Nekva, qui s'est équipé d'un ETAS, un X52 Pro maintenant, alors il va surkiffer, et puis bah, Shannon, hein, redédicace pour toi, on va essayer de jouer ensemble aussi, une petite wing à 3, alors évidemment, un océan nous sépare, on verra en fonction des fuseaux horaires. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit, c'était DRK36 autour d'Elite. À très bientôt, ciao.